Bonsoir. Tu es secrétaire départemental du Parti communiste français ici dans les Bouches-du-Rhône. Tu as annoncé il y a quelques jours la décision donc du Parti communiste de retirer quatre candidatures dans quatre circonscriptions donc des Bouches-du-Rhône. En quoi consiste ce choix? Effectivement, dans les Bouches-du-Rhône, il y a 16 circonscriptions au total. Donc, il va y avoir 16 députés des Bouches-du-Rhône à l'Assemblée nationale parmi les 577. Et nous avons décidé de retirer nos candidatures dans 4 de ces circonscriptions afin de permettre le rassemblement. C'est notre contribution pour permettre le rassemblement. Les 4 circonscriptions en question, on les a citées, elles sont connues. Il y en a 2 à Marseille, 2 dans le département. À Marseille, il y a la 3e, dans les quartiers nord, dans le 13-14, où le maire de secteur Front National a décidé de se présenter. Il y a la 4e, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a décidé d'aller à la bataille des législatives. Et dans le département, c'est la 9e, Aubagne-la-Ciotat, et puis la 16e, Arles, Miramas, Tarascon. Donc voilà, dans ces 4 circonscriptions, pour permettre le rassemblement, nous faisons le geste de retirer nos candidats. Est-ce qu'on ne peut pas nous reprocher de faire un peu de la carambouille électorale, comme le disent certains ? Non, je ne crois pas. Bon, d'abord, il y a besoin de discussion. Quand des forces politiques s'engagent ensemble à créer une dynamique commune, il y a besoin de discussion, il y a besoin de se mettre d'accord dans le respect de chacune et de chacun. Bon, ces discussions, pour l'instant, elles n'aboutissent pas. Je le regrette, mais je ne m'y résigne pas. Donc c'est pour ça que nous avons produit ce geste concret. Il n'y a pas que le discours. On se bat pour le rassemblement. Le Parti communiste se bat pour le rassemblement depuis des mois et depuis ces dernières semaines encore. Et donc, voilà, il y a des mots, il y a des discours. Nous le pensons et donc nous le faisons. Nous avons produit ces actes, nous avons décidé d'ores et déjà de retirer ces candidatures. Donc on est très loin de ce que vous dites et je crois au contraire qu'il y a là un acte fort. Est-ce que quelque part c'est pas un petit peu l'effacement du Parti communiste dans le département? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette décision en fait? Non, je ne crois pas, parce que bon, si nous faisons ces gestes, c'est dans un état d'esprit à la fois de combativité, de responsabilité, de conquête. Pourquoi je dis cela? Nous représentons ici une force considérable dans ce département, le Parti communiste. Il y a des élus communistes, il y a des militants communistes qui vont continuer à se battre sur le terrain, à être aux côtés des gens, à mener des batailles politiques. Donc il ne s'agit absolument pas de ça. Par contre, nous savons bien que pour se rassembler avec d'autres, il faut faire des gestes. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette décision-là. Donc je dis responsabilité, sérieux, ça... C'est clair. Et ensuite, conquête, combativité, parce que notre objectif, c'est d'élire le plus grand nombre possible, des dizaines de parlementaires, de députés qui vont défendre la cause du peuple à l'Assemblée nationale, qui vont faire entendre la voix du monde du travail, de la culture, de la création à l'Assemblée nationale. Donc voilà, l'enjeu pour nous, c'est au contraire de permettre l'élection du plus grand nombre d'entre eux. Et notamment ici, dans ce département, c'est possible d'en élire plusieurs, d'élire plusieurs parlementaires porteurs de cette dynamique-là, plusieurs parlementaires communistes sans doute, si nous nous y prenons bien. Donc il y a véritablement pour nous, effectivement, un esprit de conquête qui anime cette décision. Le problème pour nous, ça n'est pas simplement de me faire élire ici, ça n'est pas simplement de faire élire telle ou telle personnalité dans tel ou tel endroit. C'est de créer une véritable dynamique sur tout le territoire du département, mais également le territoire national. Créer une dynamique qui sera véritablement porteuse et qui va permettre de concrétiser ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Nous avons bien vu qu'il y a un espoir qui est né à l'élection présidentielle, que cet espoir, il vient de loin. Il s'est déjà exprimé au printemps dans les mobilisations autour de contre la loi travail. Bon, cet espoir, il faut qu'il existe le plus fort possible, qu'il s'exprime jusque dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il faut un rapport de force. Emmanuel Macron, il a prévu de légiférer par ordonnance sur le code du travail. Bon, mais les ordonnances... Il ne pourra pas les décider tout seul, c'est le Parlement qui va l'autoriser à légiférer par ordonnance. Donc il y a besoin de créer un rapport de force jusque dans l'Assemblée nationale. C'est ça qui est à l'ordre du jour. C'est que la dynamique populaire que nous avons commencé à construire, elle puisse s'amplifier encore, se manifester dans les élections législatives pour que le plus grand nombre de parlementaires, de députés puissent défendre le peuple, le monde du travail, les aspirations populaires. Alors le Parti France Insoumise a retiré sa candidature ici dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône où tu te présentes. Comment tu réagis à cette décision ? D'abord, je les remercie parce que voilà, c'est une décision que nous attendions. Je pense qu'elle va dans le bon sens. En même temps,
Je trouve aussi que c'est normal que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise puissent soutenir des candidats qui lui ont apporté son parrainage, qui ont œuvré, en plus les députés communistes ont œuvré pendant 5 ans pour défendre les idées que nous avons portées ensemble lors de l'élection présidentielle précédente, etc. Ici, Gaby Charroux, après Michel Vaxès, Gaby Charroux s'est battue pied à pied à l'Assemblée, ici sur le territoire, pour porter nos valeurs, nos idées, nos propositions. Bon voilà, donc je pense qu'il est bien que ça se passe de cette façon-là, que nous puissions nous rassembler. Mais le problème n'est pas de faire élire Pierre Dharréville ici, même si je pense que c'est mieux naturellement, mais ou de faire élire telle ou telle personnalité dans tel ou tel endroit. C'est au contraire vraiment d'envoyer le plus grand nombre de parlementaires à l'Assemblée. On peut en élire des dizaines dans le pays. Et ça doit être notre objectif. On ne doit pas lâcher l'affaire. Ce que nous disent les gens, ils nous disent « rassemblez-vous ». C'est ce que j'entends sur les marchés, à la porte des entreprises, c'est ce que j'entends un peu partout à chaque fois que je me déplace. Donc les gens ne comprennent pas, moi je ne veux pas qu'on nous renvoie dos à dos, nous prenons nos responsabilités. Donc ici, depuis Martigues où nous sommes, depuis cette circonscription qui part d'Istres jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, depuis ce département des Bouches-du-Rhône avec Marseille, je lance un appel à ce que nous trouvions le moyen, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, de conclure un accord pour une dynamique extrêmement large qui va redonner l'espoir à notre pays. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Et c'est pour ça que nous avons fait cela, pour débloquer la situation et créer un électrochoc. Donc vous n'attendez pas de contrepartie en fait. C'est vraiment une idée de rassemblement et de dynamique, poursuivre la dynamique qu'il y a eu pour la présidentielle, c'est ça? Voilà, en tout cas nous faisons les gestes pour cela. Mais je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous n'avons pas attendu, mais j'appelle chacun à prendre ses responsabilités. Ça me semble nécessaire. Voilà. Toutes les forces concernées doivent aujourd'hui regarder la situation en face et tout faire pour éviter ce gâchis et pour permettre de continuer la dynamique. Vous ne renoncez pas non plus à un accord national ou local avec le Parti France Insoumise? Non, bien au contraire. Voilà. Nous voulons débloquer la situation. C'est pour ça que nous avons fait cela. Nous voulons être utiles. Voilà. C'est le fondement de notre engagement, être utile aux gens, faire avancer les choses, se battre pour le progrès social, écologique, démocratique. Et imaginons que malheureusement, entre le Parti communiste français et le Parti France insoumise, il n'y ait pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je ne me mets pas dans cette situation. Je ne me résigne pas à tout ça. C'est pour ça que nous avons fait ces gestes. Je pense qu'ils sont de nature à faire avancer les choses. Donc jusqu'au bout, on va se battre. Demain, on commence à déposer les candidatures. Ça se terminera vendredi. Il nous reste encore quelques jours. Et moi, je vais me battre jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'appelle les hommes et les femmes qui le souhaitent à nous rejoindre. On va faire un rassemblement, un grand rassemblement à Marseille, sur la place Bernard Cadenas, dans ce quartier populaire de la Belle de Mai, près du centre-ville de Marseille. Et nous allons donc nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir avec nous pour dire ce message tout simple. Rassemblons-nous, c'est possible. Donc à 18h30, mardi. Voilà, c'est ça. Très bien, merci.